Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On continue notre exploration de la nouvelle saison Phyrexian. J'espère que Nvidia ne va pas me lâcher encore une fois, parce qu'il a tendance à couper les vidéos à des moments. On a loupé deux boosters en fait, Phyrexian, parce qu'au bout d'une minute, la vidéo s'est coupée. Superbe, c'est génial, j'adore. Donc voilà. Sinon j'ai fini donc les quêtes. J'avais gagné 6 boosters, on n'en verra que 2. Que 4, dont 2 là maintenant et 2 avant qu'on a vu dans l'épisode précédent. Comme vous voyez, je suis redescendu à 150, j'avais 3000. Là ici on est à 20,8 hein, toujours. 14 courants, 16 inhabituels dont je ne sais plus quoi faire. Sinon au niveau maîtrise. Maîtrise. Ouais, donc en maîtrise on est arrivé au niveau 6. Enfin 7, ce sera pour demain. L'arbre, on est toujours avec une seule bille. On va aller voir les boosters. Donc au niveau des boosters, donc 2 boosters, j'espère que là ça ne va pas couper. Et hop, c'est parti. Donc, Planelle d'Exor, carte incolore qu'on a déjà. Donc voilà, je vous la montre, mais je ne vous la commente pas. Dueliste à mâchoire. Carte blanche, nouvelle carte blanche d'ailleurs, qui arrive au deuxième round. Créature Phyrexien et soldat. Elle est équipée de la double initiative. Mais bon, comme elle a 1-1, ça ne fait que du 2-2. Elle est équipée du toxique, donc elle peut empoisonner. Elle peut laisser un marqueur empoisonnement si elle touche le... comment on appelle ça si elle touche le... le mage. Donc voilà, plutôt intéressant. 1 en force, 1 en défense. Autant dire qu'elle va se faire éclater très rapidement. Mais je pense pas que ce soit pour ça qu'on l'utilise. Ensuite, ici, aspirante greffe-lame, ça doit être le deuxième qu'on a, carte rouge, donc on a déjà, donc je vous la montre, mais je ne la commande pas. Encore un joker courant, dont je ne sais plus quoi faire, ok. Que naisse la fin, donc là on est sur une carte bleue qu'on a déjà, donc voilà, je vous la montre, mais... Kaya contempla avec horreur l'illusion qui disparaissait entre ses doigts. Jess tenait le vrai silex et il l'avait activé avant que la phyrexie ne s'empare de son esprit. D'accord. Ok. Fourneau autonome, encore un. On l'a eu juste à l'épisode avant, on en avait déjà 2, donc là on est au troisième. Ah, nouvelle carte, Plèbe des Cheminées. Donc là c'est une carte rouge qui arrive au quatrième round. C'est une créature phyrexien et gobelin et guerrier. Elle est équipée de la célérité. Quand la plèbe des cheminées ouais, arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 rouge phyrexien et gobelin. Elle a 3 en force et 3 en défense. Phyrexien et gobelin, créature jeton, phyrexien et gobelin. Ouais, il n'y a rien de particulier, 1-1. Donc 1 en force et 1 en défense. Allez, on va sur... le spécifique, conduit des mondes, on l'a déjà, c'est un artefact, une carte verte qu'on a déjà, donc voilà, je vous la montre, mais je ne la commande pas. Alors,
Ouf, superbe. Ah, je dis oui. Un rare mythique. Excellent. Tranchère infestée. Carte incolore. Nouvelle carte incolore d'ailleurs. Qui arrive au deuxième round. Non, c'est même pas une carte incolore, c'est une carte blanche. Je me suis laissé abuser par les côtés, mais non, non, c'est tranchère infestée. C'est une carte blanche qui arrive au deuxième round. C'est un artefact équipement. La créature équipée gagne plus 2, plus 0. À chaque fois que la créature équipée attaque, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore phyrexien et puce avec toxique 1. Donc ça veut dire que s'il touche, automatiquement, il met un jeton d'empoisonnement au magicien. Et cette créature ne peut pas bloquer, évidemment. Équipement qui nécessite 3 manas, dont un blanc, pour équiper. Ok, et le toxique, le phyrexien et puce, c'est 1-1, 1 en force et 1 en défense. Voilà. Ok, bah c'est cool. Mechelin exubérant, on l'a vu là, l'épisode d'avant. Donc voilà, je vous le montre, mais je ne le commente pas non plus. Bombe crânienne, tiens, ça faisait un petit moment, chirurgical. Ça doit être notre deuxième bombe crânienne. Donc voilà, on a déjà cette carte incolore. Je vous la laisse regarder, mais je ne la commente pas. Dévotion parachevée, pareil, carte blanche qu'on a déjà. Donc voilà, vous la voyez, mais je ne la commenterai pas. Danseur ligamenteux, pareil, carte blanche qu'on a déjà. Ça y est, on commence à avoir de plus en plus de cartes qu'on connaît. C'est plutôt bon signe. Donc voilà. Ensuite, manteau du labyrinthe. Oh, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu celle-là. Enfin, je dis ça, c'était tout à l'heure. Mais voilà. Carte verte qu'on a déjà. Œil de Malcator. Donc, nouvelle carte bleue. On l'avait pas celle-là. C'est un artefact. Quand l'œil de Malcator arrive sur le champ de bataille, regarde-le. À chaque fois qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'œil de Malcator devient une créature artefact 4-4, phyrexien et œil jusqu'à la fin du tour. D'accord, 4-4. 4 en défense et 4 en force. Ça peut être pas mal. Et allez, Miglose, écrabouilleur de labyrinthe, c'est notre deuxième ou troisième, je ne me rappelle plus. Donc c'est une créature légendaire qu'on connaît déjà. Je vous montre hein, la carte, mais je ne la commente pas. Ok. Bon, opération réussie. 15 courants, 16 inhabituels, un rare mythique que je vais tout de suite dépenser. Au niveau des profils, donc ici, si on regarde bien, on est à 53%. Je l'avais dit, hein, 3 ou 4%. On est à 53%. On a déjà passé la barre de la moitié en même pas 12 heures. Donc voilà. Comme quoi, ça vaut vraiment le coup d'économiser vos pièces d'or une semaine et demie avant la sortie d'une nouvelle saison, puisque automatiquement ça vous permet en même pas l'espace de 12 heures de récupérer déjà la moitié du deck. Donc voilà. Mais bon, après faut patienter une semaine et demie sans vouloir les dépenser dans tout et n'importe quoi. Mais bon. Ok. Et donc ça se vérifie bien, hein. Vous voyez que la tendance est vraiment de nous donner les plus petites cartes et de garder les plus grosses pour les vendre. Ouais, regardez, on a pratiquement 110, 115, 115 cartes des deux premiers niveaux, alors qu'on en a à peine 30, 28 même, 28 sur les deux plus hauts niveaux. Donc vous voyez, si ça c'est pas gardé. Ah là là, je vous jure. Ils m'épuisent ces gens. Bon, en tout cas voilà, nos collections, elles augmentent. Elles sont de plus en plus conséquentes. Celles-là, je sais pas pourquoi ils les ont rajoutées. Non, celles-ci, ils les ont rajoutées, mais je sais pas à quoi ça correspond, puisque c'est exactement les mêmes que là. À ce moment-là, je vois pas vraiment l'intérêt.
Pareil, j'ai 54, qu'est-ce que je m'en fous d'en avoir 23%. Mais bon. Allez. Bon, il est temps de se quitter. J'espère que ce contenu vous plaît. J'essaye de faire des petites vidéos. Ça vous permet de les voir comme ça. Quand vous avez un petit quart d'heure à perdre, ben automatiquement vous savez que vous pouvez le regarder une petite vidéo comme ça, vite fait. Si vous aimez l'ouverture de deck, évidemment. Allez, commentez, partagez, likez, parlez de cette chaîne autour de vous. Veillez sur vous, veillez bien sur vous et vos proches, et passez une très très bonne journée. Allez, salut, bye bye!